Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où là je vais vous présenter donc mes cadeaux d'anniversaire. Donc bah écoutez, c'est parti. Donc petit disclaimer, comme toutes les youtubeuses, je ne fais pas ça pour étaler ce que j'ai eu, mais voilà, c'est une vidéo que j'avais envie de faire et que j'aime beaucoup regarder, donc voilà. Écoutez, bah c'est parti. Alors, désolé si vous entendez du bruit. Tout d'abord, j'ai eu dans une petite trousse comme ceci, donc trop mignonne, avec un petit serpent. Voilà, comme ceci. Vous voyez, en peau de serpent, donc jaune et tout. Trop joli. J'ai eu, donc dedans, elle était remplie. Alors, j'ai eu des paires de boucles d'oreilles. Donc, alors celle-ci, donc, qui vient de chez Eurodif. Comme ceci, donc elles sont vraiment trop jolies. Voilà. Et celle-ci, toujours de chez Eurodif. Et elles sont vraiment mais trop magnifiques. Ensuite, j'ai eu ceci, donc il y en a de chez L'Oréal. Vous allez dire, what? Qu'est-ce que c'est? Et bien vous savez, c'est les petits, désolé pour le reflet, les petits autocollants comme ceci. On colle sur les ongles et c'est vraiment mais parfait. J'en avais mis une fois, c'est vraiment très joli. Bien sûr, il faut découper, etc. Donc si vous voulez un petit tuto, bah demandez-le moi. Et il y avait donc plusieurs choix. Hop là. Voilà. Donc voilà donc. Et donc voilà, donc j'ai très hâte de tester ceux de chez L'Oréal. Ensuite j'ai eu donc un gloss que je porte, je sais pas si ça se voit tout de suite, parce qu'en fait il a dû un peu partir, parce que moi je fais très souvent ça, donc voilà. Mais c'est un gloss donc qui vient de chez Smos New York, donc en fait je ne connaissais pas du tout cette marque, mais bon maintenant voilà je la connais, parce que j'ai beaucoup de trucs. Donc c'est un gloss un peu marron, pailleté, vraiment très joli, qui fait un effet nude et un peu pailleté aussi. Et donc voilà, il est vraiment parfait. Donc je vais faire un petit swatch. Même si je l'ai sur les lèvres, voilà. C'est vraiment une belle couleur. Ensuite, non, ça vient pas de moi. J'ai eu donc un baume à lèvres qui vient toujours de chez Smos. Et donc c'est un baume à lèvres beurre de mangue, huile de macadamia. Donc, il se présente comme ceci. Donc, c'est vraiment trop mignon. Je sais pas ce que vous en pensez. Oula, désolé. Mais vraiment, genre, trop mignon. Et donc, c'est un baume, bien sûr, bah, qui s'ouvre comme ceci. Et ça sent la noix de coco, mais vous savez les petits bonbons en boule là, que vous mangez, qu'ils ont un goût de noix de coco, bah voilà, ça a ce goût là, cette odeur là. Et en fait c'est vraiment très pratique d'utilisation, donc c'est un gras assez grave, hein, vous voyez, qui glisse sur les lèvres, je sais pas comment, enfin, si vous me comprenez. Mais c'est vraiment pratique, donc je le mets souvent le soir, après la journée je peux le mettre aussi, mais je mettrai plus un autre que je vais vous montrer après. Donc j'ai eu encore la même, mais sous une autre version, pour le lip balm. Donc alors j'étais vraiment choquée quand j'ai vu, regardez. Alors déjà au début je savais, oula je suis en train de tout casser. Excusez-moi, je suis en train de galérer pour l'ouvrir. Mais forcément c'est de l'autre côté, oh. Qu'est-ce que j'ai dans la tête moi? Excusez-moi. Je croyais que c'était un mascara, parce que franchement, ça ressemble pas un peu à un mini mascara. Et donc, du coup, je l'ai ouvert. Donc dessus, voilà, il y a des écritures que je n'avais pas lues. Et j'ai vu ça. Et là, le truc trop mignon, regardez. La mini truc. Donc c'est la même senteur, etc. C'est super pratique pour l'appliquer. Donc bien sûr, ça ne fait aucune couleur. Mais mon dieu, mais qu'est-ce que ça glisse super bien, enfin c'est top, je l'adore. Ça va peut-être être un de mes favoris. Oula, si j'arrive, déjà, voilà.
si, j'ai eu encore un baume à lèvres. Alors là, j'ai été bien gâtée au niveau baume à lèvres. Donc il vient de chez Yes One. Donc je vous en avais peut-être parlé. Je ne sais plus, non. Bref, c'était un. J'ai exactement le même, mais à la myrtille que j'ai eu à Noël. Donc le voilà. Et en fait, ces trucs-là, mais mon Dieu, ce que ça sent trop bon, ça sent trop bon. Donc voilà, je pense que je vais faire une collection. Parce que franchement. Mais ça sent vraiment bon, ça sent pas la myrtille. Myrtille, ça sent la bougie à la myrtille en fait. Et franchement, c'est vraiment parfait. Donc voilà. Oula, pardon. Et alors, ça, j'avais pas tout compris au début. Donc, alors, c'est un gloss. Toujours qui vient de chez Smos. Qui se présente comme ceci. Et en fait, au début, il n'était pas rempli. En fait, ça fait comme le sel, vous voyez en fait. Je sais pas si vous allez voir. Oh, ça m'énerve. Ça fait des petits trous comme le sel et en fait faut le tourner et ça sort du gloss. Et là faut l'appliquer. Enfin, c'est marrant et c'est super. Donc je l'ai mis ce matin et c'est super. Et c'est donc vitamine E. Voilà. Donc voilà. Et mince, j'ai oublié un truc à donner. Donc j'ai eu une bébé crème, donc la fameuse bébé crème de Garnier. Donc celle-là, je voulais à tout prix la tester. Je voyais dans la pub, que ça avait l'air vraiment de marcher. Donc là, je l'ai appliquée donc vraiment très légèrement, vraiment vite fait. Et je suis vraiment trop contente du résultat parce que j'avais une autre bébé crème, mais elle était mate. Donc là, je suis contente parce que c'est light, clair. Et bah elle est vraiment bien, moi je suis satisfaite. Et donc voilà, le seul petit bémol c'est que j'ai l'impression qu'elle fait un peu des paillettes, enfin je ne sais pas, enfin mais bon, elle est vraiment très bien. Et donc voilà, j'ai pas envie de la finir même si elle est encore toute, voilà, mais bon c'est pas grave. Voilà, maintenant c'est complètement, ah non, on va continuer quand même dans la beauté, etc. Avec donc j'ai eu, oula, c'est donc une crème pour le corps qui vient de chez The Body Shop et ça sent donc les fruits, le sucré, les fruits et festif. Et en fait c'est une crème pour le corps pailletée, donc pour les fêtes, etc. Et à ce qui paraît elles sont la cerise. Enfin, arêle, lait scintillant, pardon. Donc voilà. Oh, ça m'énerve, le truc il va pas se faire. Voilà. Donc c'est ça. Et en fait, ça sent comme les fruits. Enfin, ça sent un fruit que j'ai déjà senti quelque part, mais franchement, je m'en rappelle plus de quoi. Et ça sent trop bon. Donc en fait, voilà comment ça se présente. Donc là j'en ai mis beaucoup trop, donc je vais me mettre sous mon bras. Et donc en fait, oula, pas que j'en mette sur mon pull. Je sais pas si vous allez voir les paillettes, mais ça fait des paillettes. Donc franchement, pour les fêtes, ça peut vraiment être bien. Bon, je pense pas que vous voyez les paillettes, désolée. Mais vraiment, c'est top. Et en plus c'est une grande bouteille, enfin elle est grande quand même. Et donc voilà, petit bémol en fait, quand vous l'appliquez, vous voyez, les paillettes restent sur vos mains et c'est désagréable, mais franchement sinon elle est cool. Ensuite j'ai un parfum qui vient de chez Yves Rocher, donc à la pêche jaune. Et mon Dieu, mais ils sont trop bons, je m'attendais vraiment pas à avoir un parfum. Et j'étais trop contente parce que justement il m'en fallait. Oh, j'en ai mis ce matin et il sent encore. Donc c'est rare, franchement. Donc il tient. Et voilà, il sent vraiment bon. Il sent l'été. Ça donne envie de revenir en été. Ensuite, j'ai eu un vernis donc, qui vient de chez Bourjois. Un peu rose bonbon. Ouais. Et donc c'est le Ultra Shine. Enfin voilà. Il est vraiment beau, j'ai hâte de le tester puisque forcément je me suis fait les ongles il n'y a pas longtemps, donc c'est bête, mais
De toute façon, je vais faire entre ça et ça. Je vais pouvoir me refaire les ongles. Ouais. Ensuite, en bonus, j'ai eu une montre. Donc voilà. Pourquoi j'ai un bonus? Parce qu'en fait, c'est une montre qu'on a donnée. Mais qui n'était pas prévue normalement que j'ai. Donc j'aime bien parce qu'elle est fine en fait. Enfin, j'aime bien aussi les grosses montres, mais les montres fines, je trouve que c'est bien pratique. Et voilà. Bon, après, je pourrais pas la mettre avec tout parce que, vous voyez, les couleurs, c'est des... Moi, en général, je mets plus du noir, donc ça devrait aller, mais sinon, voilà. Donc, voilà. Maintenant, on va passer à une autre catégorie. Enfin, c'est pas vraiment... J'ai pas vraiment changé de catégorie, mais c'est pas vraiment... Voilà. Alors, j'ai eu des faux tatouages, donc ils viennent de chez Claire's. Donc, il y en a qui font un peu bébé comme ceux-là, mais sinon, il y en a qui sont vraiment beaux. Donc, attendez, je vais vous en trouver. Les papillons. Alors, voilà. Bon, après, là, après, ça va pas très... Mais voilà, quoi. Il y en a des biens. Voilà. Donc, ça peut être cool pour des petites soirées ou des trucs comme ça. Oh. Voilà, voilà. Alors, toujours de chez Claire, j'ai eu ceci. Donc, c'est des petits diamants comme ceci à coller. Donc, pas forcément de cette dose-là, forcément. Je pense que moi, je l'appliquerai juste genre un petit là ou là. Enfin, voilà. Et donc, ça peut tenir donc 16 heures. Et donc, voilà, j'ai hâte de tester. J'ai même pas encore ouvert, donc je vais ouvrir en live. Parce qu'en fait, j'ai eu hier tous mes cadeaux. Alors oui, on a fêté mon anniv le 7 février. Alors que mon anniv, c'est le 16 janvier. Voilà. Donc j'ai bien galéré à l'ouvrir. Donc voilà, on a un petit truc comme ceci. Après, je pense qu'on en a plusieurs. Bah oui, on en a plein. Oh! Voilà, on a des... On a la notice, etc. Enfin... Voilà. Et donc, j'ai hâte de... tester tout ça. Je me suis fait trop mal aux ongles en voulant ouvrir, je vous raconte même pas. Ensuite, j'ai eu une carte cadeau Saint-Sever, le sourire qu'on préfère. Ouais. Une carte cadeau donc ou au doc 76 en doc. Donc je ne sais pas encore où je vais l'utiliser, mais en tout cas, une chose est sûre, donc c'est une valeur de 20 euros. Donc je pense que ça va pour mon âge. Donc j'ai 14 ans. Donc je vais l'utiliser soit pour Sephora, soit pour Kiko, je ne sais pas encore. Mais en tout cas pour du maquillage ou des petits produits comme ça. Il faut vraiment que je m'achète un masque ou un gommage pour le visage. Donc je vais voir si je vais pouvoir m'acheter ça avec. Et d'autres petits trucs bien sûr. Oula, 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 oula. Avant de passer à la catégorie vêtements, on va passer à la catégorie snack. Alors j'ai eu les deux DVD de... Kev Adams. Alors vous allez vous dire ouais mais pourquoi les deux DVD et tout, surtout que celui-là il date. Bah parce qu'en fait je voulais au début le coffret, parce qu'en fait il y a dans un seul comme ça, donc dans voilà voilà c'est le coffret, et ben en fait il y avait les deux spectacles, et donc du coup voilà, et comme il y avait plus de coffret, bah ma mamie a pris les deux comme ça, voilà. Donc là cet après-midi j'ai regardé ça, il y a le marking, là il y a le making of inédit du spectacle, enfin franchement c'est vraiment top 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 top, vraiment parfait. Et ça j'ai pas encore regardé, donc voilà. Donc faudrait que je regarde tout ça. Ensuite j'ai eu le CD de Black M. Donc voilà, c'est donc le monde plus gros que mes yeux. Et donc il y a des vidéos en plus, parce qu'en fait dedans, aïe, il y a deux CD. Donc alors ça se présente comme ça. Et ça s'ouvre. Donc si je vais vous montrer. En fait, il faut appuyer là aux extrémités. Enfin, voilà. Et il y a un deuxième CD. Voilà. Donc comme ça c'est cool, il y a toutes mes chansons que je préfère, donc c'est cool. Maintenant on va passer à la catégorie vêtements et on va commencer Pour commencer, donc il y a le pull que je porte en ce moment même. Donc attendez, je vais essayer de vous montrer.
j'enlève ça, ça sera mieux. Donc alors c'est un blanc, et donc en fait vous voyez là il y a un, comme un col, mais en fait ça se termine pas, il y a encore un truc comme ceci. Voilà, et derrière en fait ça se passe comme ça, et c'est vraiment magnifique, enfin il est vraiment top top top. Donc voilà, qui vient de chez Kiabi. Et un jean un peu cuir, enfin qui fait un effet cuir, désolé pour mes chaussons, un effet un peu cuir vraiment trop joli, qui vient donc de chez Jennifer. Donc voilà. Et donc ensuite il y a ce manteau, donc attendez je me baisse un peu puisque là j'ai pas assez bien mis le trépied, donc peut-être que je le monte un peu tout simplement. Ouah, la vidéo là elle va durer 40 ans, truc de fou. Donc voilà, il est vraiment trop joli, les verres ça fait comme ça. Voilà, l'intérieur c'est tout doux. Il y a des poches un peu partout. Et la capuche, voilà. Donc voilà pour le manteau. Alors ensuite, il y a donc un t-shirt comme ceci qui vient de chez Jennifer. Donc alors il est transparent, donc il faut que je mette un débardeur en dessous, mais je l'ai essayé. Il est top, top, top. Donc alors, voilà, il est comme ceci. Donc il y a une petite poche juste là. Si vous voulez, je vous ferai un... pas un haul, mais genre où là, je vous présente mes vêtements. Je me rappelle plus là comment ça s'appelle. Enfin bref, il est vraiment top. Ensuite, un t-shirt de chez Kiabi, comme ceci. Avec écrit I'm addicted to my best friends and fashion. Désolé pour l'accent. Et donc il est vraiment joli, il est tout comme ceci. Voilà. Ensuite, de chez Jennifer, j'ai eu un t-shirt comme ceci. Just be wild. Donc gris, voilà, comme ceci, vraiment trop joli. Voilà, désolée si je vais vite, mais après, la vidéo, elle va durer 3 heures et vous ne regarderez jamais jusqu'au bout. Et pour finir, une écharpe, aussi, qui vient de chez Jennifer et qui sent trop bon parce que j'ai mis du parfum dessus. Et donc, elle est vraiment magnifique. Donc au bout, là, il y a des petites franges, voilà. Et donc, voilà, je vais la mettre. Voilà, les filles, voilà. Je pense que c'est bon. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!